Et nous recevons à ce propos également une invitée, Madame Liliane Soungou. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tibouna. Alors, vous êtes directeur de la condition féminine au ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale. C'est cela. Et en prélude, justement, par rapport à cet événement demain, la célébration de la femme, il y a des activités. Et vous venez là pour nous parler de cette activité qui va se dérouler demain dans la matinée. Effectivement. Qu'en est-il exactement? Il s'agit d'une table ronde débat qui se passera du côté du Conseil économique et social à 8h30. Nous aurons essentiellement trois conférenciers, un universitaire en la personne du professeur Soumao. Vous aurez également une dame spécialiste des questions de genre. Vous aurez par ailleurs un magistrat, un haut magistrat de la République. Et vous aurez également l'administration, bien entendu. Il s'agira essentiellement de parler de la thématique internationale que vous avez développée tout à l'heure, qui est la parité et notamment l'objectif qui est à atteindre, qui est celui de l'égalité à l'horizon 2030. Voilà. Donc nous invitons notamment les dames, parce que c'est la journée internationale de la femme d'abord. Et nous invitons également les hommes parce que l'égalité des sexes ne peut se faire que entre hommes et femmes. Si nous n'avons pas d'hommes à nos côtés, nous ne pouvons pas parvenir à l'égalité des sexes. Il ne s'agit pas là de revendiquer un féminisme à outrance, ce n'est pas cela. C'est beaucoup plus voir ensemble quelles sont les stratégies à mettre en place pour que l'homme et la femme participent à part égale au développement de notre pays. Merci madame, tout cela sera donc développé demain dans le cadre de cette table ronde, demain matin. Rappelez simplement l'heure et l'endroit. Cette table ronde se tiendra à 8h30 précise au Conseil économique et social. 8h30. Merci à vous, le rendez-vous est pris. Je vous remercie monsieur Tibouna.